comment je le dessine. Bon, quand je suis en dédicace comme ça, je commence par le haut parce que c'est un pinceau. Et donc, si je veux pas qu'il y ait des traces de main avec de l'encre dessus, il faut que je commence d'abord par le haut. Ensuite, alors je vais faire le front. Alors le personnage, c'est un personnage qui est un personnage de métis. Et donc il est à la fois avec une physionomie occidentale, on va dire. Mais en même temps, il faut aussi qu'on voit apparaître. Ah oui, ce que je voulais aussi avec ce personnage, c'est que ce soit un personnage qui soit comme un oiseau de proie. Et donc je lui ai fait un bec de rapace. Et l'autre particularité qu'il a, c'est, alors c'est pas visible, parce que j'ai jamais voulu trop renchérir là-dessus, mais c'est qu'il ait des yeux, au lieu d'avoir une pupille ronde, il a une pupille comme la pupille d'un serpent. Parce qu'en fait, son père faisait partie d'une tribu et qui était en familiarité avec les serpents. Et donc, le fait qu'il ait les yeux comme ça, ça permet aussi de l'identifier, en tout cas pour moi, comme faisant partie de cette tribu. Et ça aussi rajoute à la particularité de la famille. Ses frères avaient tous les mêmes yeux. Donc là, je rajoute le maxillaire, la pommette. Et c'est un type élégant. Parce que il travaille dans un saloon. Il est videur, bouncer ça veut dire videur, et donc il est videur dans le saloon, et pour ça il doit faire montre d'une certaine élégance. Et il est manchot aussi par ailleurs, ça c'était une volonté d'Alexandro de faire quelqu'un à qui il manque un bras, comme tireur de l'Ouest. Il a un bras en moins. Voilà.